Eh bien, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Séquence Découverte. Donc, comme chaque vendredi, nous allons découvrir ou redécouvrir, pour certains qui connaissent déjà le titre. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Steam World Dig. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. C'est parti pendant 20 minutes. Donc, je mets mon timer et c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu les options, ce qu'on a. Donc, graphisme. Donc on est bien, donc les musiques sont parfaites, c'est une musique de western, c'est très bien. Donc les contrôles, on va aller y attarder par nous-mêmes. Donc on y va, c'est parti. Donc c'est parti pour une partie toute neuve. On va laisser un petit peu l'intro. Espérons que ça vous plaît. Alors, petit chargement. D'accord. Ok. Je lis pas, je vous laisse le soin de le lire. Donc c'est une exploration à faire, donc ça va pas être mal. Donc là on a le petit Dorothy. Donc là, ils se parlent entre eux. Donc, va retrouver ton oncle Joey. Donc, il nous indique où qu'il faut aller. Il devra attendre ici pour essayer de trouver une sortie. Okay. Donc là, ils me disent que c'est par ici. Et je tombe pour ramasser. Voilà. Hop, ils me disent que c'est par ici. Ah, il a retrouvé son oncle décédé. Bon. J'ai acquis ça, une ancienne pioche. Donc c'est B pour piocher. Et je retombe, décidément. Moi, sinon, graphiquement, c'est propre, hein, c'est nickel, c'est fluide. Tout ce que doit être un jeu, quoi. Bon, hop, voilà. Piège, tu sembles un vrai mineur. Levier, quand tu es tombé, il faut creuser le tunnel. Ok. Trouver le levier. Donc ils me disent que c'est par en bas. Donc c'est vrai, on est assez guidé pour le moment. Après, je pense que ce sera un peu plus difficile. Donc c'est pas par ici. Donc ça doit être plus par là. Non. Plus. Ah oui, j'ai vu. Il faut aller ici. Tac. Donc on continue notre petite exploration. On va essayer d'aller le plus loin possible pendant ces 20 minutes. Hop, je ramasse un peu de fiole. Voilà. Il
Donc, je crois qu'on a trouvé le levier. Paf. Et le voici. Et ça nous fait ouvrir la porte. Ok. Donc, on doit remonter. Alors, pour remonter. Ok. Ah bah ça va beaucoup plus vite en montant comme ça. Super. Ça évite de perdre du temps bêtement. Allez, encore un petit cœur. Allez, étape suivante. Et ça nous fait arriver à l'extérieur. Donc, on va voir notre petite Dorothy. Ok. Ça trouve. Bien. On doit aller par ici. Donc, du coup, on retourne à la pioche. Donc, qu'est-ce que... Ouais, profondeur 4 mètres. Regarde, je vais sauvegarder. Ouais, ils me disent de bien d'aller là. Ok, c'était juste pour savoir. Donc, nous continuons notre petite exploration. Ah, il y a de la bestiole. Donc, il faudra faire gaffe aux ennemis. Hop. Donc, d'accord. On va aller par là. Un ennemi. Bon, ça va. Ils sont pas trop coriaces. Donc le but du jeu, c'est de trouver le prochain ascenseur. Vends ton butin. Donc du coup, j'ai ramassé le butin. On va aller le vendre, comme indiqué. Paf. Voilà. Donc, tac. Ah, bien sûr, là, je prends le pli. Ok. Super. Donc du coup, on va aller voir le papy. Alors, il me demande une pioche tranchante. Oui. Tu en as assez maintenant, d'accord. Je l'avais déjà, j'ai pas fait gaffe. Donc je vais revoir elle. Là, je vais pouvoir aller en plus loin avec cette pioche. Ok. Donc je continue l'exploration. C'est parti. Ah d'accord, on peut creuser maintenant dans cette terre, ça c'est bien. Ah oui, ça creuse beaucoup plus. C'est beaucoup plus efficace sur la terre normale. Et puis sur les bêtes aussi, du coup. Pas mal. Franchement, il est chouette, hein. Un petit jeu bien, bien sympa. Pas de prise de tête. Surtout faire gaffe aux pièges. Donc, on va aller prendre notre premier ascenseur.
bestiole. Paf. Hop, on récupère ça. Oh oui, il y a des pièges. Faut faire vraiment gaffe à tout ici. Faut pas perdre son temps. Voilà, et ça nous fait arriver ici. D'accord. Technologie assimilée, bot turbo. Ça veut dire que je vais pouvoir sûrement accélérer. Donc retourner en ville. Donc X plus. D'accord. Ah, décidément. Donc d'accord, là on peut speeder. D'accord, super. Hop. Donc ici. D'accord, c'est pour sauter. Et ça nous fait revenir ici. Ok. D'accord. Hop. Donc on va se presser d'aller jusqu'en ville, donc on remonte sur notre petit chemin qu'on a fait. Voilà, on perd pas plus de temps. Hop, voilà. Donc on doit aller voir le vieux papy. Donc il y en a. Blablabla. Donc, de dommages. Là, c'est 100% de cœur. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc là, j'aurai une échelle. D'accord. Une échelle, ça vaut 5. Ok. Donc, il me demande d'explorer l'île. Allez, on va re-explorer la mine. C'est reparti. Ah, j'ai plus de place pour. Paf. Donc il me demande d'aller en bas. D'accord. Donc je dois attendre le niveau. Donc on continue. Donc on doit descendre le plus bas possible encore. Hop, toi tu te calmes. Hop, on continue. Sinon, graphiquement, c'est vraiment propre. Hein. Rien à dire dessus. Hein. C'est un petit jeu tout simple, voilà, qui prend pas la tête. Puis c'est un petit jeu d'exploration qui est tout sympa, quoi. Bon, même si c'est ancien, voilà, quoi.
Mais bon, moi je l'avais pas testé, voilà, comme ça au moins. Comme ça je le teste. Comme ça je l'aurais testé. Donc. Ok. Alors ici, c'est pas pour tout de suite, donc. On va continuer de creuser jusqu'à ce qu'il nous demande. Puis je pense qu'on va s'arrêter par là. Ça vous aurez, comme ça, vous aurez vu à peu près à quoi consiste ce fameux petit jeu si vous ne le connaissez pas. En tout cas, je ne le. Moi, bon, je l'avais vu, mais je ne l'avais jamais testé. Donc voilà, comme ça, chose réparée. Franchement, il est pas mal. Moi, j'aime bien. On continue à creuser. On approche du but. On se débarrasse des nuisibles. Alors, on approche du but. Voilà, je pense qu'on va y être. Oh, j'ai plus de place, c'est dedans. Voilà, donc ils me disent d'aller par là. Et donc là, je ne peux plus y accéder, d'accord. Mon avis, c'est pour tout de suite, à moins de faire un super saut. Ah oui, j'oublie toujours de courir. Voilà. Ah bah ça je prends volontiers. Ouf, donc ils me disent d'aller par là. On va éviter les bébêtes costauds pour l'instant. On va aller jusqu'ici. Et voilà, technologie assimilée, le saut de vapeur. Donc on retourne aux villes et puis on va s'arrêter par ici. Donc c'est pas par ici. Je sais pas s'il y a un téléporte. Non, donc c'est pas par ici. On y avait été en plus. Hop. Il n'y a que par ici. Saut à vapeur, donc bas plus A. D'accord. Bon, comme ça on mange.
essayer de le faire ici. J'ai loupé le coup. Ah, il me faut de l'eau. On reprend un peu d'énergie. Allez, on va aller jusqu'en ville et puis on va s'arrêter par là. Donc là, il y a un petit code à faire. Tout simplement. Hop, comme ça, ça c'est fait. Voilà. On se recharge. Hop. On se recharge en eau. Paf. Et voilà, on arrive ici. Donc on continue, on va aller jusqu'en ville et puis on va s'arrêter par là. Hop. Franchement, il est pas mal, hein. Un petit jeu sympa. Paye pas de mine, mais il est sympa. Ben là, je joue sur PC. Je précise quand même. Je ne joue pas toujours sur console. Voilà. Allez, on va aller parler à celle-ci et on va se quitter par là. Ok, donc explore la caverne. Donc nous, on va pas explorer la caverne, on va s'arrêter par ici. Donc voilà, c'était un autre épisode de Séquences Découvertes. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Séquences Découvertes. Et puis, d'autres vidéos vont arriver aussi au fur et à mesure. Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même sur ce bon week-end et à une prochaine. Salut, salut !